tout le monde sera a priori ce week-end pour une défaite de Strasbourg, parce que Raon aurait la possibilité, avec une défaite de Strasbourg à Grenoble, d'avoir son destin entre les pieds. Et Grenoble, avec une victoire contre Strasbourg, aurait quand même de fortes chances de pouvoir lutter jusqu'au bout et de passer devant Raon au dernier moment. Donc on va jouer notre petite chance à fond. On joue à l'extérieur, voilà, dans un environnement par contre de Ligue 1, Ligue 2, et face à une équipe qui est très bonne, mais surtout qui depuis le début de la saison m'attire beaucoup de sympathie, parce que je dirais eux et nous, on vit la même histoire. Quoi. Voilà, le coach d'en face, les joueurs, on a la même histoire qui a commencé il y a un an et demi avec les mêmes... avec les mêmes inconvénients, les mêmes contraintes, avec les mêmes forces et avec la même pression. Donc c'est un clin d'œil quand même du destin de se retrouver là à 3 matchs de la fin. 3 matchs de la fin, il faut être dans l'action et on ne peut pas aborder un match à Grenoble en se disant qu'un match nul pourrait nous suffire, parce que ce ne sera probablement pas le cas. On jouera encore le PSG à domicile, qui est dans le top 6 ou 7 des équipes, et on jouera encore chez le premier round. Donc aujourd'hui, on va à Grenoble avec la certitude qu'en perdant, on est hors course. Et donc, on va faire du mieux possible pour essayer de ramener quelque chose. Là, on va l'aborder de façon de façon sérieuse et continuer ce qu'on fait, je te dis, depuis quelques matchs, et rester sérieux et solidaire jusqu'au bout.